Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'organisation de diamants. Alors je prends un petit peu d'avance, je n'ai pas encore fini le DP de Diamond Art Club qui s'appelle Galaxy, mais une fois qu'il est terminé, on va attaquer celui-là. Donc normalement vous avez vu le unboxing sur la chaîne de ce DP, donc c'est un DP qui provient d'AliExpress du vendeur Sophie Beauty Official Store. Dans mes tout début en fait, quand j'ai commencé à faire du DP, j'avais commandé un DP chez eux et j'avais beaucoup aimé mon expérience. Et du coup, je voulais réessayer. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils incluent des AB. Donc, il y a le unboxing de ça sur la chaîne. Je vous mettrai le lien ici en haut à droite de l'écran, si je le peux, parce que je vois que ça fait même pas une minute que je filme. Sinon, le lien vers le unboxing sera en barre d'infos. Donc, l'image, c'est celle-là. Elle provient de Pixabay. Je crois que ce sont des fleurs de pêcher, pardon. Et c'est une image de cet artiste-là, ZJMJEO. Je vous mettrai le lien vers l'image aussi sous la vidéo. Donc voilà, voilà ce qu'on va faire. On va faire l'organisation des diamants qui sont juste là. Et on va préparer la toile. Mais la toile, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. On va la regarder après. Donc, comme d'habitude, j'utilise ce système d'organisation de diamants. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez les trouver sur AliExpress. Et c'est venu avec une feuille de route qui est là, juste là. J'avais fait avec vous l'inventaire, je pense, en vidéo, parce que je vois que j'avais surligné tout ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les deux colonnes, colonne du symbole, juste là, et de la DMC qu'on va mettre sur les boîtes. Alors, j'ai mon massicot qui est juste là. Je vais juste bouger les diamants pour l'instant. Et on va couper les excès de tous les côtés. Alors, je vais couper ici. Il faut que je mette la fiche bien droite. Voilà, là. Je vais couper en bas. Comme ça, oups, excusez-moi pour le bruit. Et ensuite, donc je garde, comme je vous ai dit, juste le symbole. Donc je vais enlever, alors attendez là, pour pas que je fasse de bêtises. Ouais, on a les DMC sur les sacs, donc ça c'est cool. Donc du coup, j'ai pas besoin de garder la première colonne. Là, et on va couper ça. Je veux le couper. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, regardez ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là. C'est pas possible. Je me demande du coup si je vais pas faire une photocopie. Et oui, je suis allée trop vite. Vous voyez, j'ai coupé entre le symbole. J'étais persuadée que ça, c'était le chiffre que j'avais là. Donc maintenant, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre du scotch et je vais sûrement faire une photocopie. Voilà, je vais aligner là. Ok, c'est que j'ai voulu aller trop vite. J'étais trop excitée. Trop excitée de commencer ce nouveau projet. Et du coup, ben... ce que j'essaie de le faire là, c'est de l'aligner le mieux possible. Hein. Mettre du scotch. Ok, vous savez quoi? Je vais faire une photocopie de ça parce que là, ça va pas être pratique, je pense. Est-ce que ça va être pratique? Je suis pas sûre. Ok, donc je vais faire une photocopie juste pour avoir ça sur une feuille et je reviens. Ok, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Donc c'est tout aligné là. J'ai bien fait ça avec le scotch. Mais là maintenant il faut que je fasse gaffe. Alors je vais juste pousser ça pour me donner de la place. Voilà. Donc oui, ce que je disais c'est que du coup je coupe. Cette fois il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je coupe le chiffre qui est juste là.
crois que vous savez quoi, je vais d'abord couper le haut et le bas. Ça va être plus facile. Et je vais pousser ça aussi. Voilà, là je vais être plus confortable. De temps en temps, je cherche à faire des choses et je ne suis pas confortable. Là, on va couper en haut aussi. Là, alors c'est là que je veux faire gaffe. Donc je veux couper. D'abord, je pense que je vais couper ce côté-là et il faut que je coupe ici. Voilà. Comme ça. Vous voyez, là, j'ai enlevé les chiffres de 1 à 42. Donc, dans cette toile, on a au total 42 couleurs. Je vais le noter maintenant que j'ai l'info. J'ai une section là où je marque le nombre de couleurs. 42. Et là, du coup, je coupe. Je coupe ici. Voilà, nickel. Et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, du coup, avec les symboles et le code DMC. Juste comme ça. Donc, on a fini avec ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je veux mettre ça sur mes boîtes. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser du masking tape transparent, par exemple. Mais moi, j'ai une machine qui s'appelle ça, le Xyron Sticker Maker. Vous voyez, Sticker Maker. Est-ce qu'il y a le terme en français? C'est un truc pour faire des étiquettes autocollantes, en fait. Ouais, adhésif, c'est ça. Il y a 6,1 mètres. Et ça se présente comme ça. Donc, je la présente souvent, cette machine, hein, dans ces vidéos-là. C'est un X, comme ça. Et vous avez la partie-là qui va avoir le collant, en fait. L'adhésif qui va se coller à l'arrière de ça. Donc, en fait, ce que vous voulez faire, c'est la prendre dans ce sens-là. Vous voulez voir la flèche, juste là, et mettre votre légende comme ça. Donc, c'est important de mettre les symboles vers le haut, parce que l'adhésif va se coller. Quand vous mettez ça comme ça, ça va se coller vers le bas. Donc, vous ne voulez pas mettre ça comme ça. Vous voulez mettre les symboles vers le haut, soit comme ça, soit comme ça. Moi, généralement, je les mets dans ce sens-là, mais peu importe. Et vous voulez le centrer le plus possible. Et là, vous voyez, il y a une petite partie que vous tirez. Donc, vous tirez. Et voilà, comme ça. Oups, ça me colle sur les doigts, là. Donc, j'ai fini avec cette machine. Et là, ce que je fais avec mon plateau, c'est que... Alors, l'adhésif qui était sur la partie blanche, là. Hein. Attendez. Je l'explique à chaque fois pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne. À la base, l'adhésif était là-dessus. Et du coup, il s'est transféré ben, sur le papier. Et la partie qui ne s'est pas transférée sur le papier, ça s'est transféré... sur cette partie-là, là. Mais moi, pour être sûr que l'adhésif soit bien, bien, bien collé, je prends un plateau et je frotte deux fois comme ça, là. Juste pour appliquer plus de pression. Voilà. Vous voyez, je mets pas mal de pression pour que l'adhésif soit bien, bien, bien adhéré. J'enlève du coup la partie autocollante, enfin plastique, là. Ça, on n'en a pas besoin. Et du coup, c'est ça, l'adhésif qui était là, par exemple. Étant donné qu'il n'y avait pas de papier pour se transférer, il s'est transféré là-dessus. Donc, tout ça, c'est collant. Et là, on se retrouve avec la légende qui a une partie autocollante. Donc, si je détache ça, c'est autocollant. Donc voilà, on se retrouve avec tous les DMC, les diamants, ils sont là, le système d'organisation, il est là. Je crois que j'ai d'autres pots en arrière aussi, tout dépendamment du type de pot que j'ai. Donc là, j'ai des pots de petite taille, là, il y en a un petit peu plus grand, et là, il y a encore plus grand, mais ça, j'en ai plein en arrière de ceux-là, et d'encore plus grand. Donc il y a 4 tailles au total.
Alors, je vais ouvrir ça. Excusez-moi pour les oreilles si ça fait trop de bruit. Je fais ça doucement. Voilà. Et je pense, en fait, du coup, qu'on va classer les... Étant donné qu'il y a quand même 42 couleurs, je pense que je vais classer ou organiser mes pots d'après le type de symbole. On a des chiffres, on a des lettres et ensuite on a des flèches et des cœurs et des trucs comme ça. Donc, ouais. On va les organiser par type. Donc, là, par exemple, il y a du 819. Je ne sais pas si ça va rentrer là-dedans. On va l'essayer. Ça, c'est du 819 AB. On va voir si ça rentre. Ouais, ça rentre. Nickel. Donc, ouais, il y a combien de AB là-dedans? Je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6. Il faudra que je le note sur ma feuille, hein. Donc ça, c'est le 819 AB. Alors, celui-là, il est 819. Il est là. Ça, c'est une étoile sur la toile. Je pense que je vais juste faire comme ça. Voilà. Et je vais vous dire en travaillant sur ce DP si c'est de la résine ou de l'acrylique. Je sais pas. Il va falloir que je regarde les déchets. Comme je le dis maintenant, moi je regarde les déchets et ça, ça m'indique si c'est de la résine ou de l'acrylique. Donc ça, je sais que ça va aller vers ici parce que je vais d'abord mettre les chiffres et les lettres. Donc je vais le mettre à la fin. Comme ça. Et on va continuer. Donc, je ne vais pas forcément dans l'ordre DMC. Je prends juste les diamants au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le 891. 891, Cynthia m'avait envoyé un email. On a 1, 2, 3, 4, 5 sachets. 5 sachets, ça devrait rentrer dans un petit pot comme ça. Elle m'avait envoyé un email avec le nombre de sacs. Oups, le nombre de sacs qu'on peut mettre... par boîte en fait. Le nombre de sachets de 200. Alors, ah mais c'était quoi ça? Faut pas que j'aille trop vite là. 891 je pense. C'est joli comme rose, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 891. Et le 891, il est là. Ça, c'est un cercle. Donc, ouais, ça va aller là aussi. Ça va aller vers la fin. Ok. Et la poubelle où je mets tout le contenant, je devrais dire plutôt, le contenant où je mets tout le recyclage, il est plein à craquer. Ah, ça, c'est du 153. C'est le premier que j'ai ici. Ça aussi, ça va aller dans un petit contenant. Et vous voyez ce que je fais. C'est quelqu'un qui m'avait donné cette petite astuce, qui m'avait envoyé un email et qui m'avait dit, Lorraine, juste plier et coupler tous en même temps, c'est beaucoup plus rapide. Et la personne avait raison. Donc merci beaucoup à la personne qui m'avait dit ça. Je ne me rappelle plus qui c'était malheureusement. 153. Et c'est le premier que j'ai juste là. Ça, c'est le M. Donc, je vais le mettre là parce qu'on va commencer avec les chiffres, les lettres et ensuite le type de symbole. C'est ça que je veux faire pour ce DP. Là, on a un autre des AB. On a le 819. Je vais essayer de le mettre. J'allais dire, je vais essayer de le mettre là-dedans. Mais alors, je sais que j'ai d'autres boîtes. Il faut que je les trouve.
Voilà, elles étaient derrière moi en fait. Donc, je vais le mettre là-dedans. Et je vais garder ce deuxième système tout proche. Comme ça, je pourrais mettre, je pourrais prendre les boîtes de cette taille-là. Voilà. Donc ça, c'est le 800. Qu'est-ce qu'on a dit? 819. Et celui-là. Mince. Mais est-ce que je me suis trompée tout à l'heure? Parce que le 819, je l'ai mis là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était le 818, celui-là. C'était pas le 819. Faut que j'enlève ça. Je vais tout lentement. Voilà. Bon. 818. 819. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Je sais plus lequel est le 818 et lequel est le 819. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais poser la vidéo, je vais arrêter la vidéo et voir ce que j'ai fait en vidéo pour essayer d'arranger tout ça. Ok, donc c'est bien ça. J'ai re-regardé la fin de la vidéo. Donc ça, c'est bien le 819. Qui va là? Et du coup, celui-là, je m'étais trompée, c'est le 818. Qui est là. Voilà. C'est parce que les deux sont des AB, les deux sont des roses pâles. Et ça, je vais enlever ça aussi et le mettre là pour l'instant. Voilà. Alors, le prochain, j'ai le 3832. Donc ça, ça va être aussi une petite boîte. J'ai que deux sacs là-dedans. On va le mettre ici, juste pour pas que j'oublie quel DMC c'est. Voilà, nickel. Et 3832, il est là. 3832. Je vais faire gaffe là, parce que si je commence à me tromper dans les codes DMC, ben... on va avoir un rendu bizarre sur la toile. Ça, c'est le 6, donc il va aller ici. Ensuite, là, je vois un autre DAB, mais là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est le 666. Ça peut aller aussi dans une petite boîte. Il y a un diamant... un diamant... gris dans la boîte, mais c'est pas grave. C'est sûrement d'un ancien projet. Où les AB sont jolis, hein. Les AB sont très beaux. Alors, ça, c'est le 666. Et celui-là, il est là. C'est une flèche, ça. Je pense que je vais mettre toutes les flèches ensemble. Voilà. Comme ça. Ensuite, est-ce que je vois d'autres AB là? Ouais, je vois un autre AB qui est juste là, le 3607. Je vais le mettre dans le plateau. Quoique, est-ce que j'ai besoin de le mettre dans le plateau? Peut-être pas. C'est que ces boîtes, elles ne s'ouvrent pas au max en fait. Vous voyez, elles reviennent comme ça. Donc du coup, de temps en temps, c'est pas évident de... vous voyez, c'est ça que je dis, ça va partout là. Oh là là, c'est une couleur magnifique ça. C'est un joli violet. Magnifique. Trop beau. Regardez ça comme ça brille. Oh ouais. Donc ça, c'est le 3607. Pardon, il est là.
Voilà, ça, ça peut aller là. Et je sais pas si j'ai d'autres abeilles là. Je regarde parce que... Ah, il y en a un là, oui. Je les trouve parce qu'ils les ont mis en sachet refermable. Ils sont pas dans des sacs de 200. Ça aussi, je pense que ça va passer dans une petite boîte. Je vais, celui-là, je vais carrément le mettre dans le plateau pour le transférer. Dans la boîte. Et ça, c'est le 208. Et ça, c'est une autre flèche. Donc, c'est ça que je vous dis. Je vais avoir plusieurs flèches dans ce DP. Donc, je vais le mettre ici. Là, j'ai du 799. 799, il est où? Je commence à penser que peut-être je devrais prendre mon étiquette avant aussi, juste au cas où que je vais trop vite et que je mets ça dans, dans la poubelle de recyclage. Et qu'après je ne sais plus quel DMC c'était. C'est les couleurs dans ce DP, je vais m'éclater, je sens. Ça va être sympa à faire. Là, j'enlève des boîtes encore parce que je veux avoir la place pour bouger. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est tout ce qui est... tout ce qui ressemble à des flèches inférieures, supérieures, tout ça là, je vais le mettre là en fait. Voilà, comme ça. Ensuite, ça c'est du 814. Le 814, il est là. Ça va aller dans une petite boîte aussi. Il n'y a qu'un sac. Voilà, ça c'est un autre dessin. C'est une, voilà, c'est une forme circulaire. Ça pourrait aller avec les formes circulaires, ça. Parce que là, c'est circulaire, circulaire, circulaire. C'est ça que je vous dis, je vais le faire en par type de symbole. Ça, c'est quoi? Du 3802. 3802, il est là. Voilà, il est comme ça. Ça, ça peut aller aussi dans une petite boîte. Il n'y a qu'une... Il n'y a qu'un sac. Ah, celui-là peut-être que... Ouais, voilà. Nickel. Et ça, c'est un trèfle. Le trèfle, il va aller à la fin. Comme ça. Ensuite, prochain DMC que j'ai, c'est le 600. Ça, ça peut passer en petite boîte. Je peux mettre jusqu'à 8 sachets de 200 en petite boîte. Ah, j'ai oublié de prendre mon étiquette pour celui-là. Les diamants qui sont coincés. Donc ça, c'est le 600. Ouais, le 600. Le 600, il est là.
Je pense que c'est de la résine là, parce que j'ai des déchets et les déchets me font penser à de la résine. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Et de temps en temps, alors ce qu'il se passe, c'est que ces vendeurs-là, là, sur AliExpress, ils mentent. Hein. Ils disent que ce sont des diamants. Il y en a pas mal qui vont vous dire que ce sont des diamants en résine, alors que ça ne l'est pas et c'est de l'acrylique. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui vous disent ça en pensant que non, qu'on n'est rien à ça. Mais moi, je sais les différencier. Comme je vous l'ai dit, je sais les différencier d'après les déchets. Donc, je pense que c'est en travaillant dessus que je vais pouvoir vous le dire. Mais ouais, je sais que... Je sais qu'il y a des vendeurs, ils sont pas trop... comment on dit ça? Pas trop honnêtes. Le 3727. 3727, il est là. C'est B, ça. C'est ça? Ouais. C'est un petit B. Un B minuscule. Les diamants sont beaux, donc je sais même plus si j'avais fait un test avec vous en vidéo. Je pense pas hein, que j'avais fait un test. Je pense que c'est pour ça que je vous avais dit qu'on allait le faire en DP principal après le DP Galaxy. Ok, donc le B, il va aller là. Non, j'ai dit qu'il allait aller après les chiffres. Le prochain DMC, waouh, là j'en ai beaucoup là. Alors ça c'est quoi? Du 3, 7, 1, 6 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais recompter juste pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sacs. 17 sacs, il faut que je le mette dans les autres boîtes qui sont un petit peu plus grandes que j'ai à côté. Ça va rentrer là-dedans. Donc c'est ça, petite boîte, ça va jusqu'à 8 sachets. Deuxième plus grande comme ça, ça va jusqu'à 15 sachets. Les boîtes comme ça, on peut mettre jusqu'à 28 sachets. Et les grandes jusqu'à 47 sachets de 200. Donc là c'est grand, donc je vais les couper... Je vais couper pour avoir 4 sachets à la fois pour couper. Mais ça serait beaucoup plus pratique si tous ces diamants seraient en sachets refermables. C'est une jolie couleur, ça aussi. Hein. Le rose. J'adore le rose en DP. Une de mes couleurs préférées. Là. Un, deux, trois, quatre. Je vais couper au niveau de là. Je vais prendre l'étiquette peut-être 3, 7, 1, 6. Elle est là. 3, 7, 1, 6. Voilà. Je vais la mettre juste là. Oups. Voilà, ça on fait des diamants pour ce DMC là. Ah. Voilà.
voilà, nickel. Oups, il en reste un. Et ça, c'est le J en symbole. Et je pense que je vais aller chercher un autre contenant pour mettre le plastique parce que j'ai plus de place ça dans ma poubelle. Alors le J, il va aller ici. Je vais poser la vidéo une petite seconde et revenir. Voilà, ça va être mieux là. On a reçu un paquet là de Amazon, un carton. Du coup, j'ai un carton vide pour mettre tout ça. Alors, le 721, ça va être une petite boîte. Et l'étiquette, elle est là. Ça, c'est un orange. J'ai pas envie de me couper les doigts. Les étiquettes sont quand même pas mal petites. Voilà. 721. Et ça, c'est le B. Le B. Ah, ça, c'est un B majuscule. On a le B majuscule et le B minuscule. C'est pas grave. Je veux dire, ils sont bien différenciables. Donc, là, on a quelque chose en sachet refermable. C'est le 947. Je vais prendre ça et il est là. 947. C'est bizarre. Ils ont mis certains diamants dans des sachets refermables, d'autres dans des petits sachets de 200, comme vous avez vu. Voilà. Ça, c'est un petit dessin. C'est comme une espèce de petite fleur, là, au niveau du symbole. Donc, je vais le mettre... je vais le mettre ici. Pour l'instant. Et ensuite, j'ajusterai, là, enfin, si j'ai besoin d'ajuster. Ça, ces petites boîtes aussi, c'est du 3688, pardon, 3688. Il est là et c'est le symbole numéro 8, ça. Ou c'est le symbole 8, je devrais dire. 3688, ok. Et la toile, en ce moment, elle est sur un cintre. Je l'ai mise sur un cintre parce que je ne voulais pas trop la bouger. Étant donné que c'est de la colle double face, je me suis dit, on va éviter de la bouger de partout. Donc, je l'ai mise dans un cintre et dans ma commode. Et on va la regarder après. On va regarder dans quel état elle est. Mais en même temps, je l'ai reçue assez récemment. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir de problème. On va voir. On va voir. 3, 6, 8, 8. J'ai mis le symbole un petit peu en travers. Voilà. Et le 8, il va aller ici. Le prochain que j'ai, c'est le 3712. 3712. Celui-là, il est là. Et ça peut aller aussi en petite boîte. Là, j'ai presque plus de petites boîtes. Hein. Ah, j'en ai dans l'autre contenant à côté aussi. Ok. Parce que j'en avais deux comme ça. Celui-là, il y a un autre à côté, vide. Donc, du coup, j'ai un petit peu des... J'ai des tailles... J'ai des boîtes de toutes les tailles, là. Donc, ça, c'est bien. Ouais, ok. Ça, c'est de la résine. Je le vois avec le fini... Oups, des déchets. C'est de la résine, ces diamants-là, là. Parce que c'est pas la première fois que je vois le déchet dans les diamants. Donc, ce sont bien des diamants en résine. Pour les ronds. Pour les carrés, je ne sais pas. J'aimerais en commander une en carré pour voir. Ça, c'est le H, donc il va là. Ouh, il y en a pas mal, là. Alors, là, il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 12 bois, 12 sachets, ça rentre normalement là-dedans. Donc, je vais le couper au niveau de 4 sachets, comme j'ai fait pour l'autre.
là. C'est le 3609 celui-là. 3609. Ça doit être sur un de ces petits trucs là. Ouais, il est là. 3609. Voilà. Ça en fait des diamants. Mais c'est magnifique comme couleur. Oh, c'est tellement beau. C'est un violet très 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 pâle. Magnifique. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette image. C'est parce que je me suis dit que les couleurs, j'allais adorer travailler sur cette palette de couleurs. Et l'image est très jolie aussi. Donc, vous savez que j'aime beaucoup les fleurs. J'aime faire les fleurs en été. Je trouve que ça rend tellement bien en fait que je prends du plaisir à le faire et le fini est beau. Je vois trois diamants là. Ok. Est-ce que c'est un 0 ou un O? Je pense que c'est un O, ça. Donc, je vais le mettre là. Ok. Le prochain que j'ai là, c'est le 718. Ça va passer en petite boîte. Et le 718, il est là. C'est une flèche vers le bas, ça. Trop beau comme couleur, ça aussi. Je vais dire ça pour toutes les couleurs du DP. Hein. Ah ouais, c'est beau. Regardez ça. Magnifique. Alors, étant donné que j'avais déjà commencé avec des flèches, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, hein, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du 962. Ça va aussi passer en petite boîte. Et le 962, il est là. Donc, du coup, ça se pourrait que les diamants, je les garde en fin de projet, étant donné que c'est de la résine. S'ils sont de bonne qualité, je vais les garder. Et du coup, ben, la revue, ça sera une revue. Est-ce que ça va être mis en portfolio? C'est quelle taille déjà? Non, il ne va pas rentrer en portfolio celui-là. Mais ça va être une revue avec rangement des diamants à la fin du projet. Voilà. Ceux-là, ils ont plus de mal à descendre. Je sais pas pourquoi. Aïe, 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 on dirait que... Oh, ok, je crois que c'est de la statique, en fait. Et c'est ça. Généralement, les diamants de bonne qualité... Il y a plus de statique. J'avais un petit truc là, une petite lingette adoucissante pour le linge, mais je me demande si je ne l'ai pas mise à la poubelle parce que ça faisait longtemps qu'elle était sur mon bureau. Il faudrait que j'aille en chercher une autre en bas en fait, dans la buanderie. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de statique. Je vais juste les mettre sur le bureau et les ramasser.
les ramasser avec mes doigts parce que ça colle à mes doigts, ça. Ouais, c'est définitivement la statique, je pense, qu'il y avait dans ce sachet-là. Voilà. Donc ça, c'est le 2. Ah, sur cette boîte, j'avais mal enlevé l'étiquette précédente, je vois. Ouais. Ok, le 2, il va aller là. Ensuite. Oh, waouh, celui-là, j'en ai pas mal. Ça, c'est le 604. Alors, combien de sachets est-ce que j'ai là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sacs. Ça va rentrer dans un pot un petit peu plus grand. Et comme j'ai dit, j'en ai là à côté de moi. Et le 604, il est là. Je vais le mettre ici. Ok. Et là, pareil, je vais couper par sachet de 4. Je ne sais pas si je vais avoir de la statique là-dedans. Peut-être pas. Au niveau de là. Alors, je pense qu'il y a un sachet que j'ai mal coupé parce qu'il n'y a rien qui descend. Est-ce que ça descend là? Non, j'ai du mal. Je pense que je ne l'ai pas coupé assez bas celui-là. Parce que les diamants ne descendent pas. Voilà. Et ça, peut-être que je vais le couper ici. En deux. Et finalement, on va faire ça. Super. Ouais, les diamants, ils sont beaux. Je vois qu'ils brillent bien là. Le symbole, c'est le 3. Donc du coup, je vais décaler ça parce que j'ai un 2, un 6, donc ça va aller là. Voilà. Le prochain que j'ai, c'est le 326. 326. Il est là. Ok, juste là. Je vais prendre une petite boîte aussi. Je crois que là, j'ai plus de petites boîtes dans mon système. Non, il va falloir que je regarde dans l'autre système pour des petites boîtes. Parce que je suis sûre que je vais en avoir encore besoin pour le reste des DMC. Il en reste encore pas mal quand même. Je ne sais pas si on a fait la moitié, mais... Je pense que c'est pour ça alors que Sophie Beauty c'est plus cher. Parce que j'avoue que pour une toile de cette taille là, donc ça comme je l'ai dit c'était une 50 par 65, c'était quand même 57 $. C'était vraiment pas donné. Et je pense que le prix c'est justifié parce que ce sont des diamants en résine. Et je me demande aussi du coup si les frais de livraison ne sont pas inclus là dedans en fait. Dans le prix.
Est-ce que j'avais des frais de livraison? Non, j'en avais pas. Donc c'est ça que je dis. Je pense qu'ils ont inclus les frais de livraison dans le prix aussi. Ok, je prends quelques autres. Je prends d'autres boîtes comme ça en fait. Et je pense que du coup dans ce système que j'ai là, je vais transférer tout ça. Je vais mettre ça là. Et je vais transférer ça. Comme ça, ça me donne plus de place. Voilà. Nickel. Alors, ça, c'était le 3350. Et le 3350, il est là. Ça, c'est une étoile. 3350. Ça peut aller comme ça. Et dans une petite boîte aussi, comme je le disais, j'ai que 3 sacs pour celui-là. C'est ça qui sont bien remplis en revanche, hein, comparé aux autres là que j'ai fait tout à l'heure. Peut-être qu'ils sont plus étroits. J'ai l'impression que les sacs sont... Les sacs sont plus étroits, je pense, que les autres. J'ai bien un diamant qui est allé là, un autre qui est allé là, un qui est là. Ah ouais, ils sont beaux, hein. Ça brille bien, regardez ça. Quand je bouge comme ça, ouais. Ça brille énormément. Ça a l'air d'être des beaux diamants de qualité, ça. Ok, donc l'étoile, je vais la mettre... Ah, il y a deux étoiles. Il y a cette étoile aussi, donc je pourrais mettre les étoiles ensemble. Voilà, là j'essaie de réarranger ça. Voilà, nickel. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là j'ai quoi? J'en ai encore en grande quantité. Alors là-dedans, c'est du 340. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 sacs. 13 sacs, on a dit quoi? Ça va rentrer là-dedans. Et le 340. Le 340, il est où celui-là? Je me demande si... Ah non, il est là. J'ai tous ces petits morceaux là qui traînent. Ok. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis allée trop vite en fait, je pense. Voilà. Là, et le dernier, je crois qu'il y a 5 sacs, mais on va l'essayer. Je vais essayer avec 5 sacs de couper tout d'un coup. Voilà. Je pense que j'avais fait jusqu'à 6 sacs en fait. Je sais plus pour quelle organisation de diamants j'avais fait ça. Peut-être le vendeur là pour lequel j'arrive pas à prononcer le nom sur AliExpress. Xue, Kiazo, Ula, quelque chose comme ça. C'était une image de qui? Ah, de John William Waterhouse. Je pense que j'avais coupé jusqu'à 6 sacs. Ça passe de justesse. Est-ce qu'il y a des diamants là-dedans? Non, mais il y en a un dans le plateau là. Voilà.
et le R, il va là. Le prochain DMC, c'est le 333. Petite boîte. Ah, j'ai mis la petite boîte ici. 333, il est là. Les oiseaux chantent à tue-tête, là. J'ai pas la fenêtre ouverte, donc vous les entendez pas, mais ouais. Il fait beau ce matin, là. Je filme en matinée parce que cet après-midi, on veut... on a des choses à faire. Et je me suis dit... J'aime filmer, en fait, le matin. Filmer vers les 9h30, 10h, je trouve que c'est nickel. Parce que de toute manière, le matin, nous, on n'aime pas être pressés. Nous, on aime prendre notre temps, donc... C'est pour ça que la plupart du temps, le week-end, je filme le matin. Et en après-midi, c'est là où on fait ce qu'on a besoin de faire. Donc, ouais, je pense qu'on va partir après le lunch. Ça, qu'est-ce que je considère? Ça pourrait aller avec les flèches. Ouais. Ça pourrait aller avec les flèches. Alors, ça, c'est... Ah, ça, c'est un autre AB. Ok. Je me demande si ça va rentrer, pardon, en petite boîte, ça. Je pourrais essayer. Si ça passe pas, je le mettrai dans une boîte. Vous savez quoi? Je vais le mettre dans une boîte un peu plus grande. Une boîte un peu plus grande parce que ça... C'est trop juste en fait. Donc ça va aller là-dedans. Ça, c'est le AB602. Ça passe beaucoup mieux là-dedans. Voilà. Et le 602, il est là. C'est une parenthèse, ça. Ouais, c'est une parenthèse. Donc ça peut aller ici. Ensuite, ça serait cool que je trouve le 3371. Ce petit truc qui est tout seul là, est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est le 327. Ah, 337, hein, il est là. Ok, il va là en petite boîte celui-là. Je vais essayer de trouver les DMC pour lesquels j'ai comme une petite étiquette comme ça, séparée. Le cœur, il va aller là. Qu'est-ce que j'ai là? 3340. Je vais le faire après, peut-être celui-là. Ça, c'est quoi? J'ai du mal à lire. 327. Ah, ben 327, j'ai l'étiquette qui est juste là. Donc, ça aussi, ça va aller dans une boîte. Voilà. Ah, il y a la clim qui se remet en marche là. C'est ça que vous entendez en bruit de fond. Hein. Il fait chaud quand même. Et comme je le dis, ma fenêtre, elle donne sur le sud. Donc du coup, ben, il fait chaud assez rapidement dans cette pièce. Ça, je considère ça comme une flèche aussi. Ça, c'est quoi? Du 223. Est-ce que j'ai une petite étiquette là qui... Non, celui-là, on va le faire après. Ça, c'est du 3-8. Ça, on va le faire après aussi. Wow, 761. Ah, bah l'étiquette, elle est là, du 761. Ok. Là, il y en a beaucoup de ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sacs. Donc ça va aller dans une taille plus grande. Ça va aller là-dedans. La prochaine fois, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photocopie de ma feuille. Pour que, au lieu de compter, en fait, je me réfère à ça. Parce que là, j'ai le nombre de sacs. Et quand j'ai un sac supplémentaire, je marque plus 1. Donc j'aurai pas besoin de compter. Ouais. Alors, celui-là.
1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de faire ça plus rapidement. Je vais mettre jusqu'à 5 sacs là pour couper. Ça, c'est un joli, joli, joli rose pâle. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que du coup, il y a des sacs que je coupe mal. Hein. Comme ces deux-là, par exemple. Et du coup, ben, les trous ne sont pas assez gros pour que tous les diamants tombent. Pardon. Je vais le faire au fur et à mesure. Sinon, après, je vais me ramasser avec une quantité dans le plateau, là. Voilà. Ah, il y a un morceau de plastique qui est rentré là-dedans. Voilà, ça on peut le faire en deux fois. Et on a ces trois sacs. Nickel. Ok. Ah, il y a des diamants qui sont allés de partout aussi. Ça se pourrait qu'il y ait un petit peu de statique là aussi, dans les diamants. Ça, c'est le 761, mais c'est le symbole F. Il va aller là. Il n'y a plus de place là. Ok, donc ça, ça va transférer là. Ben, transférer. Je le transfère. Alors, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me reste là-dedans plutôt? 352. 352, on va le faire après. J'aimerais trouver les DMC pour lesquels j'ai comme une petite étiquette là. Ça, c'est quoi? 3 satin 3, oui. 3 satin 3, il est là. 3 satin 3, c'est le symbole N. Pardon, le symbole quoi? Le M? Non, le N. 3 satin 3. Et celui-là, il y en a des sachets. Je me demande si c'est pas la couleur principale. Alors, celui-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sacs. Ça devrait rentrer là-dedans. Normalement, je suis capable de mettre jusqu'à 28 sacs là-dedans. Donc, je me demande si je vais avoir besoin d'utiliser les plus gros pots. Peut-être pas. Hein. Je pense pas.
Parce que les plus gros pots, c'est quand on a plus de 47 sacs. 47, je sais pas si j'ai un DMC avec plus de 47 sacs là-dedans. Je sais pas du tout. Deux, trois, quatre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, là et là. C'est qu'il y a beaucoup d'air aussi dans les sacs en fait. Voilà. Et pour terminer, on a ces deux sacs là pour ce DMC, parce qu'on n'a pas encore terminé. Il en reste encore pas mal, mais c'est ça, quand les compagnies nous donnent les DMC dans des sacs de 200, ben ça prend beaucoup plus de temps que si on avait des sachets refermables. Ça entre tout juste, voilà. C'est une jolie couleur ça aussi, le N. Alors le N, il va falloir que je décale mes boîtes, il va aller ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? 700, non, 341. On va le faire après. Comme je vous ai dit, j'aimerais faire le 3806, 3608, 948. Ça, c'est quoi? 38, 36, on va le faire après. Ça, c'est du 211, on va le faire après. Ça, c'est du 948. Ah, nickel, il est là. Donc ça, ça va aller dans une boîte. Et ça, c'est le U. Ça va là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du 3806. Alors là, je ne veux pas me tromper entre le 3608 et le 3806. C'est bien celui-là. Et... j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, je le mets encore une fois dans... je vais enlever ça. Je vais enlever ça et prendre des boîtes plus grandes. Voilà, comme ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Ouh, est-ce que j'en ai 5 là-dedans? Non, j'en ai 4. J'en ai 4. Je prends encore une fois qu'il y a un sachet que j'ai mal coupé. Ouais, parce que les diamants descendent lentement. Un, deux, trois, quatre. Ah ben nickel. Et ensuite, il va y avoir encore une mini ribambelle. Midi, non. C'est pas midi encore. Là, et on a ça aussi.
Et je pense qu'après, les quantités sont plus minimes pour ce qu'il reste, en fait. Il n'y en a pas autant, donc ça va être des petites boîtes. Voilà, nickel. Ça, c'est un L, mais c'est sur le côté. Donc, je ne vais pas le mettre en tant que L. Je vais vraiment le mettre en tant que symbole, là, dessin. Et là, qu'est-ce que j'avais? J'avais du 3608 qui doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah, il y a un autre AB là. Ok. Donc, je vais juste mettre les diamants comme ça et enlever le plastique. Alors, ça, ça colle encore, vous voyez? Ça colle un petit peu. Donc, je vais le garder aussi pour mettre des diamants. Si j'ai besoin d'en mettre là-dedans. Je garde. Si c'est encore beau, je garde. C'est ça que je fais. Alors, 3, 6, 0, 8, j'ai combien de sacs? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sacs. Je prends ça. Ça va rentrer là-dedans. C'est magnifique comme couleur, ça aussi. Hein. C'est trop beau. Et petit monstre. Petit monstre, elle vient. Elle regarde dans la fenêtre pour voir qu'est-ce qu'il se passe dans le jardin et dans le parc. Ah. Mais là, il faut qu'on mette des graines dans la mangeoire. Il n'y en a plus. Alors, il n'y a plus d'oiseaux qui viennent. Il va falloir mon mari mettre des graines tout à l'heure. On a acheté un gros sac il y a quelques temps de ça qu'on n'a pas encore ouvert. Mais je pense que là, il va falloir l'ouvrir. Ben, quoique, dans l'ancien sac, je pense qu'il y a assez de graines pour remplir la mangeoire. Et ensuite, on passera au nouveau sac. Ce sont des gros sacs de... Je sais pas, il y a peut-être 3 kilos dedans. Entre 3 et 5 kilos de graines. Et je pense que la plupart des oiseaux aiment ces graines-là. Là, donc, c'est pour ça qu'on achète tout le temps les mêmes. Et tout le temps la même marque. Voilà. Mais du coup, c'est ça. Il y a les oiseaux, il y a les lapins, il y a les écureuils. Il y a Alven, il y a tout le monde qui vient. C'est ça le truc avec ces graines-là. Mon mari se demandait, je ne sais pas s'il y a d'autres graines qui n'attireraient pas Alven et les... J'avais d'autres diamants là-dedans. Bon, c'est pas grave. Qui n'attiraient pas Alven et les lapins. Mais moi, j'aime ça, moi. J'aime avoir tous ces animaux et tous les regarder. Allez, ça c'est le G. Le G, il va où celui-là? Il va aller là. Donc du coup, c'est ça que je dis, il faut que je décale tout ça. Voilà. Alors là, on va terminer avec les DMC qu'on a. Donc là, on a le 321 qui, je pense, va rentrer dans une petite boîte. Et le 321, il est là. C'est un autre AB. Il faudrait que je compte combien de AB j'avais dans ce kit. Ou j'ai dans ce kit. Je pourrais le voir, je pense, d'après la feuille de route. Parce qu'ils ont indiqué... Oups, mon Dieu, j'étais en panique là. Ils ont indiqué sur la feuille de route lesquels ils ont mis en AB. Et ce que j'aime aussi du coup, c'est que les AB avec eux, ils ont des codes DMC. Donc on n'a pas besoin d'essayer d'agencer avec un DMC connu pour savoir ce que c'est en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça fait du sens. 321, donc ça c'est symbole, ça va aller là. Ensuite, le 211, petite boîte. Je crois que je vais avoir besoin de petites boîtes, là. Alors, combien de boîtes j'ai besoin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
c'est ça? Ouais. 7 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nickel. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ce système tout ça pour me donner de la place. Voilà. Ça fonctionne là. Donc, c'est où j'en étais? J'en étais au 211. Donc, le 211, j'ai l'étiquette juste là. Voilà, et ça c'est le V. Ok, le V. Là aussi, il faut que je décale. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave si je décale. Ça ne me dérange pas de faire ça. C'est ça que j'aime de ce système. On peut placer les boîtes vraiment comme on le veut, en fait. Voilà, ça va là. Il me reste un symbole là? Non. Hein. Je veux juste être sûre qu'il... Il ne me reste rien. Le 223, je pense que ça va être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il est là, 223? Oui, il est là. Ça, c'est le E. Le E... Et là, donc j'ai fini avec ça. Ensuite, le 341, c'est ce joli bleu pâle. Ah, Luna. Qu'est-ce qu'il y a, petit monstre? Pourtant, je lui donnais plein d'attention ce matin à cette chienne. Je crois que de temps en temps, elle s'ennuie, en fait. Mais là, on ne peut toujours pas la laisser dehors. Il n'y a toujours pas de clôture, là. Donc, je crois qu'elle s'ennuie un peu, en fait, de... Enfin, elle s'ennuie. Ça lui manque. Je pense que ça lui manque d'aller dehors et gambader, et juste être dans le terrain. Parce que là, elle peut pas, on ne veut pas qu'elle aille chez le voisin. Ok, ça, ça va comme ça. Et ça, c'est le Q. Ça va là. Ensuite, en F, on a le 352. C'est celui-là. On a presque fini, là. Je crois qu'il manque 3... Il y en a 3 à faire encore. Là. Et... je pense qu'il y a de la colle là-dessus. Peut-être mon ongle, il est... Ah, mon ongle, il faudrait peut-être que je le lime un petit peu. Ok, donc ça, ça va là. Et le F. Ouais, il faut que je décale tout ça, en fait. On a un petit F et un grand F. Voilà. Alors, 3, 8, 3, 6. C'est celui-là. C'est comme couleur lilas, ça. Ouais.
c'est un chiffre, hein, c'est le 9. Il va aller là. Ensuite, le 3-8-3-8, il est là. Joli bleu aussi. Et ensuite, il va nous en rester un. Et on va regarder la toile. On va voir qu'est-ce qu'on va faire là. Je sais pas. J'y ai pas pensé encore. Je sais pas si je vais lui mettre du washi tape au fur et à mesure que je travaille dessus. Je sais pas si je vais remplacer le papier opaque. C'est pour ça que je vous dis. Je vais prendre la toile. Je vais l'emmener et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Ça, c'est le i. Voilà, et pour terminer, on a le 3048, si j'ai bien fait ça. Oui. 3048, c'est bien ça. Et ça, c'est le D. Et voilà, on a terminé avec l'organisation des diamants. 3840, du coup, alors, on va voir un peu qu'est-ce qu'on fait en termes de, si je veux déplacer des choses. Donc déjà, il va aller là, mais il n'y a plus de place. Donc c'est ça que je dis, il va falloir que je décale mes boîtes. Mais là, j'aime avoir un petit peu, vous voyez, un petit peu d'espace pour les bouger. Donc je pense que du coup je vais les mettre comme ça, comme ça. Je vais encore décaler, je pense ça. Ouais. Voilà, comme ça. Bon. On y arrive. Alors le dé, il va aller là. Et c'est ça que je dis, je pense que si je laisse ça là, non mais je peux pas, ça passe même pas. Donc voilà au niveau de la première colonne. Deuxième colonne, ça, ça passe pas, donc je vais le laisser comme ça. Ici, je vais le mettre comme ça. Ensuite là, je vais mettre ça et là. Donc voilà, tous les diamants sont mis en boîte. Je les ai classés comme je vous l'ai dit. Donc on a le 2, 3, 6, 8, 9 ici. Ensuite on part avec les lettres B, 2B, D, le E, 2F, G, H, I, J, M, N, O, Q, R, U et V. Et ensuite on a des flèches. Alors est-ce que c'est ça que j'ai fait? J'ai une flèche vers le bas, j'ai deux flèches vers le bas, une flèche sur le côté. Ça, c'est comme un inférieur, mais je le laisse avec les flèches. Flèche vers le haut. Flèche, flèche. Ah, là, j'ai mis les symboles circulaires. Là, j'ai deux étoiles et là, j'ai des parenthèses. Ouais, ok, ça va aller comme ça. Du coup, quand je vais travailler sur le DP, je vais retrouver mes couleurs assez rapidement. Donc, voilà les couleurs qui sont rangées. C'est une très, très belle palette. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Donc ça, c'est fait. Je vais aller chercher la toile. Alors là, voilà. Je vais peut-être pousser ça pour me donner de la place. Et mettre la toile ici. Donc comme vous voyez, c'est une toile qui est en double face. Ben, la colle. C'est de la colle double face. Donc, et c'est ça que je vous disais. Je ne suis pas arrivée à remettre le papier comme il faut là. Donc je pense que, parce que c'est ça, j'hésitais à remplacer en fait tout le papier opaque que vous voyez là avec du papier de cuisson. Mais faites gaffe, faites des tests quand vous mettez le papier de cuisson pour être sûr que vous arrivez à l'enlever. Mais j'ai peur que si j'enlève ça et que je remplace par un autre papier, je vais créer encore plus de rivières. Donc je pense, vous savez quoi, qu'on va rien faire avec la toile pour l'instant.
Je pense que je vais la laisser comme ça. Mais en revanche, ce que je pourrais faire... Ouais, il y a la colle qui dépasse. Ça m'énerve vraiment d'avoir... Ouh là là, j'ai des belles rivières là. Vous voyez là, je crois qu'on le voit très bien la caméra. Et ça, quand vous avez ça en fait, c'est... ce que c'est que c'est de la... C'est de l'air en fait, de l'air qui se met entre la colle et la toile. Et ce que vous voulez faire, c'est prendre un cutter, mais je ne sais pas si j'en ai un là. Oui, j'en ai un. Là, dedans, là. Je ne vais pas me faire mal non plus. Voilà, il est là. Ce que vous voulez faire, c'est prendre un cutter. Et aller de biais en fait, et couper. Vous voyez, couper l'excès d'air. Ou couper l'air qu'il y a entre la colle. Et la toile, elle est en oblique comme ça. Mais je pense que je vais le faire quand je vais travailler sur cette toile. Et ensuite, avec le côté de la lame, je l'aplatis. Voilà, là, elle est partie. Mais il y en a plein, il y en a plein des mini, mini, mini qui se forment là, en fait. Et ensuite, j'aplatis. Mais vous voyez l'écart que j'ai là? C'est ça qui me plaît pas. C'est ça qui me plaît pas avec cette toile. Ça va m'énerver, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever... Aïe, 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 aïe. Oh, le nombre de rivières que j'ai sur cette toile. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, petit monstre? Alors, attendez. Je vais mettre... la toile comme ça. Et je vais essayer de remettre ce papier. Ah ben nickel. Voilà, là je l'ai remis, vous voyez. Alors attendez, elle est où ma règle? J'ai ma règle que je garde à côté de moi en tout temps, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Elle est là. Alors, ce que je fais du coup, maintenant que je sais comment je vais la placer, je la soulève un petit peu comme ça. Et je vais la replacer avec la règle. Voilà. Donc là, je frotte. Là, vous ne voyez pas, mais je frotte. Vous voyez là? Et... voilà. Bon, et là du coup, on n'a pas de... on n'a pas de... comment on appelle ça? On n'a plus ce machin qu'on avait tout à l'heure là. Vous voyez? Voilà, je l'ai remise et puis c'est tout beau là. Mais alors, est-ce que je mets du washi tape maintenant? Il y en a en fait qui ne mettent pas de washi tape et qui coupent vraiment... Est-ce que vous voyez là où commence l'image? Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Oui, je crois qu'on voit là. Vous voyez que l'image, elle commence ici en fait. Donc, il y en a qui coupent le papier ici. Et ils laissent le papier au-dessus de la colle. Mais moi, je trouve pas ça trop joli en fait. moi, je préfère mettre du washi tape. Donc, regarde, on va mettre du washi tape. Je risque de causer encore plus de rivières, mais c'est pas grave. Et moi, je faisais ça dans mes débuts aussi hein, en fait. Je mettais pas du washi tape, je mettais du scotch au-dessus de la colle qui dépassait. Hein. Je sais pas qu'est-ce que je veux mettre comme washi tape pour celui-là. Je pense que celui-là, il serait joli. Ouais, on va mettre celui-là. Ok. Je vais replacer ça là. Et c'est ça que je vous dis, je risque fortement de créer d'autres rivières dans cette toile, mais il y en a tellement déjà que bon, une de plus ou une de moins, ben regardez, c'est pas grave. Alors il me faut mon ciseau, donc ce que je fais, c'est que je vais lever le papier, ce papier opaque là. Ouais, c'est ça que je dis, il y a plein de rivières de toute manière, donc... au point où j'en suis là.
et je mets le washi tape du coup sur l'excès de colle. Vous voyez sur le contour de l'image. Et de toute manière, c'est pour ça que je les achète, les washi tape. Hein. C'est pour les mettre principalement sur les contours et quadriller ma toile. Là, celle-là, elle ne va pas être quadrillée, du coup, à cause du type de colle. Là, je vais prendre ma règle. Je vais aller comme ça et comme ça. Et je vais faire la même chose au niveau de la largeur. Je vais la ramener vers moi. Je vais l'enlever comme ça. Vous savez quoi? Je vais mettre un aimant pour maintenir la fiche. Voilà. Et là, je fais la même chose. Là, je pense que vous n'allez pas tout voir en revanche. Ah oui, là, oui. Là, vous voyez tout. Mais c'est ça, non, je ne vais pas la quadriller. Avec la tablette lumineuse, normalement, je suis capable de voir les symboles à travers, même avec le papier opaque. Et du coup, je vais faire mes sections de 10 par 10 petit à petit quand je travaille dessus. Donc c'est ça, celle-là, je la commence dès que je finis la galaxie. La galaxie, je pense qu'en 2 semaines, au moment où je filme, elle va être finie. Mais au moins, du coup, celle-là, elle va être prête. Et je n'aurai pas besoin d'attendre d'organiser les diamants parce qu'ils sont déjà, c'est déjà fait. Donc, je crois que je vais prendre de l'avance maintenant hein, sur ça aussi. Si j'ai des systèmes, je vais organiser les diamants. Je vais organiser les diamants comme ça, ben, mes toiles seront prêtes en avance. Et mes diamants aussi, du coup. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose ici, en bas. J'ai coupé ça, sans faire exprès. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le problème avec le double face. Il y a souvent ces problèmes de rivière et moi je pense que c'est différence de pression, différence de température. Et quand on prend la toile et qu'on la bouge dans tous les sens aussi, je pense que ça, ça aide pas là, mais... Voilà, comme ça, et on va terminer avec le dernier côté, et ensuite, ben, il n'y aura plus rien à faire. Ouf. Excusez-moi pour le bruit, et là, il y a ça. Et là, je fais la même chose, je vais juste enlever ma fiche, comme ça. Et mettre l'aimant pour maintenir ça en place. Voilà, nickel. Et je vais mettre ça sur l'excès. Parce que là, il y a un excès de colle de presque 1 cm. Sur ce côté-là, il y en a pas mal. Voilà, c'est fini. Je
sais pas du coup combien de temps aura duré cette vidéo. Peut-être une heure et demie, un peu moins. Voilà. Et alors, ce que je voulais dire, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Là, j'ai ma tablette inclinée qui est juste là. Je fais gaffe, là. Tac, comme ça. Donc, quand je l'allume, en fait... vous n'allez pas le voir. Mais moi, à travers, je vois les symboles. Donc, en fait, je pourrais avec... soit avec ce cutter-là ou celui-là. C'est pas, c'est pareil. Calculer mes 10 cm. Mais ouais, pour vous, c'est assez sombre à la caméra, là. Calculer mes 10 cm comme ça. Et couper le long d'un symbole. Avec ça, du coup. Et replier ma fiche pour travailler sur la section. Donc voilà, voilà comment je vais travailler sur ce DP. Il n'y aura pas de washi tape sur le... sur ce matériel que vous voyez là, là. Sur le blanc. Donc voilà, voilà au niveau de cette vidéo. Excusez-moi, c'est que j'essaie de bouger les choses. Donc c'est ça, la toile est là. Là, je vois une petite bulle, je pense. Voilà, je vois des bulles d'air là. Ah là 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 là. J'aimerais tellement que les compagnies passent à de la colle coulée. Mais ah, il y a deux petits oiseaux là qui sont venus me dire bonjour. Ouais, qu'il passe à de la colle coulée, mais regardez, c'est comme ça. Donc voilà, voilà la toile, voilà les diamants. Donc du coup, elle sera prête à être commencée une fois que je finis la Galaxy Girl. Je ne vais pas avoir besoin d'attendre. Et une fois que celle-là sera terminée, ça sera la Spirit of Light de Diamond Art Club parce que mon mari l'attend depuis longtemps. Et vous savez que je fais des rotations. Ben, pour ceux qui sont là depuis quelques temps, je fais des... Vous le savez. Mais pour ceux qui arrivent, je fais des rotations entre... Petit DP, moyenne DP et grande DP. Et je fais des rotations aussi au niveau du type de diamant. Donc si je fais un petit en diamant carré, celui que je fais en ce moment, le Galaxy. Ensuite je fais un moyen diamant rond et un grand diamant carré. Et ensuite je change. Donc ça me permet de travailler sur pas tout le temps le même type de diamant. Et pas tout le temps des petits DP ou des gros DP. Donc pour moi c'est une... C'est une manière... que j'aime, ou un processus que j'aime là de travailler sur des DP de différentes tailles et changer avec le type de diamant. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers le unboxing de cette toile sous la vidéo. Je vous mettrai le lien aussi de ce système, je vous mettrai le lien de ça aussi sur amazon.ca. Et pour les gens qui sont dans d'autres pays, je vous invite à regarder dans vos magasins de loisirs créatifs ou même sur Amazon. Ça se pourrait que vous la trouviez, cette petite machine. Elle est bien pratique. Moi, je l'adore. Je l'adore. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est la deuxième machine que j'utilise. Parce que malheureusement, comment on appelle ça ? Les recharges sont plus chères qu'une machine, qu'une nouvelle machine. Donc, j'achète pas de recharge. J'achète une nouvelle machine. Je crois que c'est comme dans les 20$. Et qu'est-ce que je vous mettrai d'autre comme lien ? Je pense que c'est tout. Machine, ça, la toile et le unboxing. Donc voilà. Et je le rappelle que c'était un perso, ça. Donc c'est pas une toile que vous allez retrouver sur Sophie Beauty. Il faut que vous la fassiez en perso. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Ou même de m'envoyer un email. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.